Shalom à tous. Alors on continue la bracha sur les Birkat Kohanim, 128e chapitre. Et là on va parler, nouveau chapitre, je lis le titre, Dvarim Amagvim Bakohanim Elisad Kapem. Très intéressant. Les choses qui empêchent les Kohanim de faire Birkat Kohanim. Des fois il y a des Kohanim qui malheureusement ne respectent pas la Torah. Qu'est-ce qu'on peut accepter et qu'est-ce qu'on doit refuser? Alors on y va, c'est la lacha Samer Zain, c'est parti. Kohen Shenu Yachol Evate Otiot Kalacha. Un Kohen qui ne sait pas bien prononcer les mots, les lettres, ça arrive. Le Aleph, il dit Aïn, ou le Aïn, il dit Aleph, ou le Chet, il prononce comme un Chaf, ou le Chet comme un. Ou le Chaf comme le Chet, ou Shikore, Shibolet, Sibolet, c'est-à-dire qu'il n'arrive pas à prononcer le Shin, il dit Sin. Afalpi, Shiracha, Lissakapa, Beiro, Becha, Mekomo, bien que Bemet, il pourrait dans sa ville faire Birkat Kohanim. Ou El Rubam Kekula Momrin, parce que la plupart des gens, ils prononcent, même si c'est pas parfait, c'est pas grave. Mikol Makom, Bemekomot Shem Tzach et Lachon, mais si c'est des endroits où les gens prononcent parfaitement, il vaut mieux pas qu'ils récitent. Ou alors il les récitera doucement, il s'appuiera sur les autres. Ve Shumrim, il y en a qui disent, Imura Gil Benenu Kula Myodim Shenu Achol Evata Otiot, mais si tout le monde sait qu'il y a des lettres qu'ils n'arrivent pas à prononcer, il y a des gens, le Shin, ils n'arrivent pas à prononcer. Ils n'arrivent pas à prononcer. Rachal, il est capable, dans ce cas-là, il peut réciter Birkat Kohanim. L'achat bismanenu, kula makirim et taigub meiftot ashonim, aujourd'hui où tout le monde connaît la prononciation, yachol kol kohen il est capable, donc aujourd'hui, il y a même du phonétique aujourd'hui, donc chaque kohen peut réciter la bracha. Va kol panim, en lorid kohen shekvar ala, maintenant un kohen qui est monté, on ne le fait pas descendre. Vechen, Pachata Minag, comme ça le Minag en Eretz Israël, chez Gam Kohanim Ashkenazim, même des Kohanim Ashkenazim, qui ne prononcent pas bien la lettre Aïn, les Ashkenazim ils ont du mal avec le Aïn, Korim, et ils prononcent Aleph, et ben on les laisse quand même faire Birkat Kohanim, chez Gam Anikut Shone, bien qu'ils le font de manière différente, on a l'habitude d'être cool et de laisser les Kohanim. Samechet, Kohen Cheshlo Mum Befanav ou Biadav, oulala. Un Kohen qui a un défaut, soit sur son visage, soit dans ses mains. Loïsakapav, il ne doit pas faire Birkat Kohanim. Pourquoi? Mipne ah, mistaklim, parce que tout le monde le regarde, tout le monde se moque de lui. Et c'est pas beau. Même si les gens ne se moquent pas, mais les gens vont regarder son défaut. Masirim datav, et ils vont se détourner de la bracha pour se concentrer sur le défaut du Kohen. Maintenant, Imayadash Biro, si ce Kohen il habite depuis longtemps dans sa ville. Ça veut dire quoi depuis longtemps? Tout le monde le connaît depuis au moins un mois, il y en a qui dès un an en tout cas, tout le monde le connaît. À Kolmakirim Sheshlo, tout le monde sait qu'il est aveugle, qu'il lui manque un. Je sais pas, qu'il lui manque un membre. Et bien, comme tout le monde est habitué, il est capable, il peut faire Birkat Kohanim, les gens vont pas mal le regarder. Vekos Sheshlo Shimyom, à partir du moment où il habite 30 jours dans une ville, Nircha s'appelle qu'il habite dans la ville. Obezmanenu, comme aujourd'hui, Shikva Pachataminak, Shikola Kohanim. Que de toute manière aujourd'hui, les Kohanim, ils cherchent, ils mettent le talit, de toute manière aujourd'hui, ils se cachent, ils mettent le talit sur leur tête. Gorbim, Garbaim, en plus, ils ont des chaussettes en bas, donc s'ils ont un problème au pied, on ne voit pas normalement. Afilou, Yesh, Befana, donc même si aujourd'hui ils ont le défaut, dans ce cas-là, aujourd'hui, on peut laisser le Kohen parce que son défaut est caché grâce au talit. Et même un défaut sur les mains, bah, on ne le voit pas avec le talit. Sa mère tête, Nefikar, Kohen, Denifsa, Bamilchama. Loalenu, un Kohen qui a été blessé à la guerre. Il y a beaucoup de Kohanim durant la guerre de Kippour qui ont été blessés. Vinikta, Kaf et Loalenu, ils ont perdu un bras, ils ont perdu une main. Yeshumrim, il y en a qui disent Kog Dushat Keunato. Il y en a qui disent que la Kdusha, elle reste quand même, la Kdusha du Kohen. Vikivan, Bismanaza, Kohanim et Chassim, et comme aujourd'hui, on y couvre avec le Talit. Il n'y a pas tellement de risques que les gens vont regarder leurs défauts. Les Fika, Olé, ils montent quand même les Duchan sur l'estrade. Vénosé et il récite Birkat Kohanim. Veyashrol qui, il y en a qui ne sont pas d'accord, qui disent Im nitla kafiado, que si il lui manque l'oalénou, un doigt, une main, et Noba, il y en a qui disent qu'il ne peut plus faire Birkat Kohanim. Vénonosé à filou, même s'il habite dans cette ville. Vechenika, et l'essentiel, il faudrait se montrer strict. C'est-à-dire, encore une fois, si tout le monde est habitué et qu'on ne le voit pas de toute manière, il y a le talit, alors a priori c'est bon, sinon il ne doit pas le faire. Souma, maintenant on va parler de l'aveugle, Aïn. Souma Bishkanav, Loalenu, quelqu'un qui est aveugle des deux yeux. Aflu Moudash, même s'il habite dans la ville depuis longtemps, et non, c'est capable.
il ne doit pas réciter Birkat Kohanim. Ça fait que Brachot Lakel, parce qu'il y en a qui disent qu'il ne peut pas faire. Il y a Shomrim, il y en a qui disent, Imoudash, s'il habite dans la ville, tout le monde sait qu'il est aveugle. Il peut. La Khen Kohen Sumaro Tselala. Donc le Kohen aveugle, il veut monter. En Mouchim Beado, on ne va pas l'empêcher de monter. Il a sur quoi s'appuyer, que tout le monde le connaît, donc les gens s'en fichent, ils ne vont pas faire attention. Aïn Alef, Kohen Sheshlo Tarbochet. Oh, un cas plus sympathique. Un Kohen qui a tout simplement un plâtre, un pansement, bon ça va, Beka Fiado, voilà, il a un plâtre ou un gros pansement. Donc c'est capable, évidemment, que là il peut faire Birkat Kohanim, les gens ne vont pas le dévisager parce qu'il a un pansement. Et le poston, on ne va pas le rendre pas dessous à cause de Chassitza. Mechen Maasim Becholium, Gam Kohen Sheshlo Tarbochet, même les Kohanim qui ont un gros pansement, Olé les Douchan, ils montent sur l'estrade et ils font la Birkat Kohanim. Mechen Ikar, et ainsi la halacha. Ainbet, Kohen Sheshlo Yado Ketua Kaka, oulala. Un Kohen qui a un tatouage. Avant de faire Tchouva, il s'est fait un gros tatouage immense. Racha la halot, il peut quand même monter et faire Birkat Kohanim, mais chassé, bah tout simplement, c'est pas compliqué, il cache son tatouage avec son vêtement, avec son talit. Bofen, chez Ena Ketua Kaka, l'essentiel c'est qu'on le voit pas. Au Beprat en particulier, si la chose a été faite avant qu'il fasse Tchouva, dans ce cas-là, ça pose pas de problème. Voilà, on a terminé pour aujourd'hui. À très bientôt.